Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Phoenix Wright, Ace Attorney Trials and Tribulations. Dans l'épisode précédent, nous étions dans la deuxième grande affaire, et dans cet épisode, nous sommes toujours dans la deuxième grande affaire du jeu. À savoir une affaire qui mêle vol et meurtre, une affaire très très intéressante à la fois dans sa structure et dans ce qu'elle raconte. Je crois qu'on en est à une phase de tribunal, si je me souviens bien, et que l'épisode précédent était basé sur justement de l'enquête. Et le fait de commencer à se dire que finalement, notre client est bel et bien le voleur. Le voleur qu'on a réussi à ne pas montrer comme un voleur dans le début de l'affaire, mais malheureusement ça joue contre nous pour l'histoire du meurtre. Comment est-ce que les choses vont se dérouler? Continuons. Il faut que je me remette un petit peu dans le bain, dans l'affaire et dans nos preuves. Étant donné que... était un petit peu remué entre l'épisode précédent et celui-ci. Et que la nuit n'a pas été forcément facile, mais j'y crois mort. Hey Nick. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu n'imagines pas le nombre de gens qui sont là pour voir le procès. Ah, c'est tout de même une affaire de meurtre. Mais de quoi tu parles? Ils sont venus pour le procès de la salle d'à côté. De la salle d'à côté? Je ne sais pas Nick. C'est aujourd'hui qu'ils jugent le détective Moissa. Détective Moissa. Ah oui, donc ça va être deux procès séparés, non, on participe qu'à un seul. Ils disent qu'ils vont le juger en tant que masque de masque. Déjà? On n'a pas perdu de temps. Mince. Qu'est-ce que j'aimerais assister au procès de masque de masque? Je sais. À propos, où est Pearls? Elle est rentrée à la maison. Elle dit qu'il faut qu'elle se remette à s'entraîner. Je sais que vous ne m'appréciez guère. Pearls est à fond dans sa formation ces derniers temps, hein. Ouais. Depuis l'incident de l'année dernière. Ah, je vous en prie. Pourquoi vous ne me répondez pas? C'était lui, d'accord. Oh, monsieur du plaisir, bonjour. Personne ne m'aime. Personne ne fait attention à moi, même en tant que meurtrier. Allez, ne soyez pas bête. Attendez une petite minute. Vous ne voulez pas dire que vous êtes le meurtrier? Non. Je ne suis qu'un honnête cambrioleur. Non, attendez, ça ne va pas. Un cambrioleur ne peut pas être honnête. J'avais oublié le traitement de texte. Le souffle qui s'évapore à la fin de la phrase. Voyons voir, d'après Monsieur du Plaisir, à partir de son deuxième vol, il n'a fait qu'exécuter des plans précis. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Des plans que quelqu'un lui envoyait pour l'aider à commettre ses cambriolages. Tu crois qu'il y a un rapport entre le voleur et le meurtre, Nick? C'est possible. Mais le procès d'aujourd'hui sera une course contre la montre. Hein? Comment ça? Je crois qu'on devrait prendre notre temps, comme on fait toujours. J'ai bien peur que nous n'en ayons pas le loisir cette fois-ci. Et parce qu'il va falloir qu'on prouve que finalement c'est lui le voleur. Malgré tout ce qu'on a pu voir précédemment. Mais c'était pas lui, il avait été quand même au final dans la chambre du PDG. Donc c'est pas lui qui a été pris en photo, quoi qu'il arrive. Comment faire, quel enfer. En plus, pareil, si Matt Moissa était dans la chambre du PDG aussi, il peut pas avoir été à la prise de la photo, donc qui a été pris en photo? Ou alors, est-ce que ça a été truqué, cette fameuse photo? La séance est ouverte pour le procès de Monsieur Henri Duplaisir. La défense est prête, votre honneur. Vous êtes prêt? La préparation est l'ultime refuge des faibles. Godot, je l'avais oublié lui. Alors, calmons-nous. Votre exposé introductif, je vous prie, monsieur Godot. Le procès vient à peine de commencer, le juge lui mange déjà dans la main. Henri Duplaisir, elle est trop jeune pour partir au front. C'est tout. J'ai bien peur de ne pas saisir le sens de vos paroles, monsieur Godot. En ce cas, vous devriez sortir davantage, votre honneur. La vie, c'est la guerre. C'est pourquoi vos paroles doivent être claires et limpides. Voilà tout le sens de ma déclaration. Vous comprenez maintenant. Oui, permettez-moi de résumer les détails de cette affaire. Ouah, il y a que le juge prend les rênes, ça change de d'habitude. La victime se nommait Ken Bullard, PDG de KB Sécurité. On a retrouvé son corps dans un coffre-fort vers 9h du matin le 13 octobre. Néanmoins, l'heure du décès a été estimée à 1h du matin la veille. Et c'est là que notre pauvre petit chaton a perdu sa pelote.
Le pauvre petit chaton étant l'accusé, bien entendu. Bien, monsieur Godot, appelez votre premier témoin. J'avais oublié sa musique. Je ne bois jamais plus de 17 tasses de café pendant un procès. Mais la première est toujours la meilleure. Monsieur Godot, votre témoin ? Soit. Nous entendrons le témoignage de l'accusé, monsieur Henri Duplaisir. L'accusé ? Monsieur Wright, la défense y voit-elle un inconvénient ? Faire intervenir l'accusé risque de vous désavantager, mais... Je me souviens que lorsque Mia m'a défendu, elle m'a permis de témoigner afin de pouvoir procéder à un contre-interrogatoire. Elle m'a fait confiance. Nous n'avons pas d'objection, votre honneur. Monsieur Duplaisir peut témoigner. Ah, vous avez du cran, Light. En chaque cas, monsieur Henri Duplaisir, veuillez témoigner, je vous prie. Le coupable, c'est vous, n'est-ce pas ? Oui. Quoi ? Non, c'était pas vrai. Le tribunal le plus court de l'histoire. J'ai cru qu'on allait battre le record du procès le plus court du monde. Ouais, d'accord. Ah, avec la tête qu'il fait, monsieur Duplaisir a déjà l'air coupable. Et à chaque fois qu'il ouvre sa grande bouche, il aggrave son cas. C'est un bon début. Poursuivons. Dites-moi. Si vous n'avez pas tué Bullard, pourquoi êtes-vous allé chez KB Sécurité ? Eh bien, je... Difficile à dire, si seulement je pouvais rentrer chez moi. Je vous prie de témoigner sur les événements de cette nuit tragique. Ma visite chez KB Sécurité. C'est-à-dire un titre genre Martine à la plage. Ce soir-là, vers 1h du matin, je suis allé voir Monsieur Bullard à son bureau chez KB Sécurité. La lettre de chantage que j'avais reçue, elle m'ordonnait de m'y rendre. Jusqu'à l'année dernière, je travaillais pour KB, donc je savais où était son bureau. 1h du matin, autrement dit, l'heure du crime. Les faibles se font emporter par le flot du destin. Les forts arrivent à l'ingurgiter. Comme mon café. Ah ! Le destin a aujourd'hui encore un goût d'amertume. On ne dirait pas à la vitesse où il le boit. Monsieur Wright, veuillez procéder à votre contre-truc. Très bien, monsieur le juge. Alors, je me remets juste en tête notre dossier. Ah oui, on a tout le délire sur le vase. Il reste encore à trouver une place dans cette affaire, quoi, mais qui nous a permis de savoir ce qui s'est passé avec Mademoiselle Landry, qui a cassé et réparé le vase. Ok. Dès le deuxième casse de masque agissait sur les consignes de lettres de chantage. Le registre de l'alarme. À 1h02, hein, par contre, ça c'est intéressant. La fameuse liste avec les prix, d'accord, ouais. Après, on retrouve ce qu'on avait déjà précédemment. Ok. 1h du matin. Vous dites, en êtes-vous absolument certain ? Oui. J'ai regardé ma montre en entrant dans le bureau du PDG. Non. En fait, je n'en suis pas sûr. Ma montre retarde et mon horloge interne aussi. 1h du matin ? C'est précisément l'heure du décès de Monsieur Bullard, non ? En tout cas, c'est trop tard pour prendre un café. Elle vous ordonnait de vous y rendre. C'était la première fois que le maître chanteur m'ordonnait d'aller quelque part. Vous voulez dire que ce n'était pas votre première lettre de chantage ? Loin de là. Les lettres me disaient de voler ceci ou de prendre cela. Et si on gardait ça pour plus tard, hein, c'est du plaisir, pitié qu'il se taise. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qui y avait-il dans la lettre de chantage en question ? Elle me demandait d'apporter 50 000 euros. De l'argent ? Voilà qui constitue un parfait mobile pour un meurtre. Oh, mais attendez. Je n'ai jamais eu l'intention de verser cet argent de toute façon.
Ah, est-ce bien vrai? Après tout, il n'avait rien de compromettant sur moi. Je n'avais rien à craindre. Cette raison-là ne manque pas de poids. Témoin, ajoutons ceci à votre témoignage. Oui, monsieur. Un poisson hors de l'eau aurait plus de chances de survie que moi. L'aide de chantage ne m'a pas fait peur, il n'aurait rien pu faire. Sur quoi vous faisait-on chanter? La lettre dit si vous tenez à ce que votre identité reste secrète, non? Je suis sûr qu'elle faisait référence à l'affaire Masque de Masque. Mais je n'étais pas inquiet, monsieur Bullard n'avait rien sur moi. Rien du tout? De toute façon, je me moque bien de ce que les gens disent de moi. Tant que Daisy croit en moi. Ça ne suffira pas pour te tirer d'affaire. C'est pour cela que je savais que ces menaces n'étaient que du vent. Vous étiez chef de la sécurité chez KB Sécurité, n'est-ce pas, monsieur du plaisir? Oui, c'est exact. Chef de la sécurité? Oh! Et pourtant, il y a moins d'un an, vous avez été renvoyé sans préavis. Une vengeance consommée froide. Voilà un très bon mobile de meurtre. C'est pas bon. Pas bon du tout. J'aurais peut-être changé de sujet. La vie après le renvoi, motif du renvoi. Pas d'intervention. Motif du renvoi? Monsieur du plaisir, veuillez nous dire pourquoi vous avez été renvoyé. Eh bien... Le monde est plein de gens qui se disent « Si seulement je n'avais pas posé la question. » Ok, dans ce cas, j'aurais dit... Accusé, répondez à la question, je vous prie. Eh bien, j'avais besoin d'argent. Vous aviez besoin d'argent? Eh bien, c'est que Daisy adore dépenser, c'est comme un hobby pour elle. Sans doute pas le meilleur hobby du monde, hein, Nick? Mon salaire ne suffisait pas. Alors, j'ai volé des informations secrètes à la société. Redites-moi ça. KB Sécurité possède plein d'informations sur toutes sortes d'entreprises. Et comme j'étais chef d'une équipe de sécurité... Vous avez volé des informations pour les revendre. Monsieur Bullard s'en est rendu compte et m'a renvoyé sur le champ. Quoi? Je n'aurais jamais dû lui poser cette question. J'ai réussi à cacher la vérité et à faire croire que j'étais parti de mon propre gré. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Il n'a pas l'air bien. Celui qui fait du tort à son employeur se fait mettre à la porte, en guise de punition. Vous feriez bien de ne pas l'oublier. Ça mérite d'être clair. Vous avouez donc avoir volé des informations à votre société. C'est bien ça? Oui, je suis désolé. Voilà une révélation importante. Ajoutez-la à votre témoignage. Bon sang, cette histoire est en train de tourner à la catastrophe intégrale. Il va falloir se donner à fond pour sortir indemne du carnage. Plus je progresse, plus c'est pire, mais bon, vu qu'on progresse, j'imagine que c'est quand même bien. Il m'a viré pour avoir vendu des secrets d'entreprise, mais Daisy ne sait rien. Pourquoi diable avez-vous fait une chose pareille? Eh bien, pour satisfaire le hobby de Daisy, quoi d'autre? Gaspiller votre argent, hein. Ce n'est pas du gaspillage... Ah, ça, Henri, ce n'est pas du gaspillage. Donc, Madame du Plaisir ne sait pas que son mari a été renvoyé. Apparemment pas. Je ne sais jamais quoi penser des couples qui ne se disent pas tout. J'y crois pas. Cette affaire pousse Maya à s'interroger sur la vie de couple maintenant. Essayons de maintenir notre cap si vous le voulez bien, Monsieur Wright. Il n'a pas dit grand-chose dans son témoignage. On dirait qu'il évite un sujet précis. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Oh, je le sens mal. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse attention. Mais si nous ne trouvons pas le moyen de lui faire cracher le morceau, nous ne nous rapprocherons jamais de la vérité. Ouais. Ok, donc on veut atteindre un élément particulier. Est-ce que je peux réattaquer ici et changer la question que je pose? Non. Est-ce que je peux réattaquer ici, maintenant, qui dit que il y a la question des secrets d'entreprise qui est pas connue? Objection. Ah. J'ai bien peur que cette raison ne fasse plus le poids. Ok, ils étaient en train de dire oui, c'est à cause de masque comme avant, hein, mais finalement non, parce qu'on a des nouvelles infos. Que voulez-vous dire? La victime n'avait aucune preuve que l'accusé était masque de masque. Mais c'est vous qui aviez volé des secrets d'entreprise un an plus tôt. Mais
Une fois que j'ai été renvoyé, le problème était réglé. Il est vrai que je n'ai pas ébruité le fait d'avoir volé des secrets d'entreprise. Mais même, ce n'était pas une raison pour me faire chanter un an après. Est-ce bien vrai? Qu'y a-t-il, Nick? Henri volait des dossiers secrets de son entreprise. Aurait-il eu un problème si ses activités avaient été rendues publiques? Si ses activités avaient été rendues publiques. On parle de quoi? On parle de ses activités de voleur? Oui, sur la table de la scène du crime. Je sais pas trop où on veut en venir là. On va dire pas particulièrement, histoire de. Ah, j'imagine que non. Mais tu viens de dire qu'il aurait pu. Toujours éviter les faits dérangeants ou désagréables, c'est ma devise. Je joue pas le coup du je suis cool pour s'en sortir. Ah, c'était pas la bonne. D'accord. Hop. On réattaque ici. Autant pour moi. Ouais, il faut vraiment qu'on enfonce le clou au maximum. J'ai voulu être trop consensuel avec le fait de défendre Henri. Mais il faut qu'on enfonce le clou pour lui faire cracher un morceau qu'on pourra utiliser plus tard, j'imagine. Allons-y. Monsieur du plaisir, je crois que vous auriez eu énormément d'ennuis si vos activités avaient été révélées publiquement. Monsieur Wright, qu'espérez-vous accomplir en harcelant votre propre client? Ah. Les hommes sont comme les bactéries. La chaleur favorise leur croissance. C'est tout à fait ça. Dans ce cas, n'hésitez pas à monter le thermostat, mon petit amigo d'avocat. Petit amigo d'avocat. Allez, donnez-nous des preuves qui corroborent votre théorie. Pourquoi du plaisir aurait-il voulu éviter que la raison de son renvoi ne s'ébruite? Donc la raison de son renvoi, ça a été qu'il divulgue des informations. Ça aurait été qu'il divulgue des informations d'entreprise. Ici, on a des informations d'entreprise qui sont pile poil ce qui a été volé. Et donc, on aurait pu dire qu'il était de mèche avec le voleur. Il y a ça aussi, mais ça, c'est pas directement en rapport avec des informations d'entreprise spécifiques. Je serais tenté de dire la liste de Ken. Hein. Ah, eh bien, monsieur l'accusé. Vous avez entendu l'accusé? Juste quand je croyais que c'est impossible, il parvient à m'exaspérer encore plus. Visiblement, la défense a donné à des pratiques solitaires. Ah, je crois que c'était bon. Revenons-en au témoignage. Ah. Pourquoi? Ou alors la raison, c'est désiré directement. Hein. Donc on attaque ici. Objection. Pourquoi est-ce qu'il aurait voulu éviter que la raison de son renvoi ne s'ébruite? De la même manière qu'on le renvoie tout court d'ailleurs, c'est pour désirer du plaisir qui déteste les malfrats et les lâches. Monsieur du plaisir, ce que vous dites ne concorde pas avec votre déclaration d'hier. Hein? Quoi donc? Je crois que vous avez dû avoir peur. Très peur. Qu'une certaine personne n'apprenne votre secret. Une certaine personne?
Madame Désirée du Plaisir, la femme de l'accusé. Quoi, mais je... Écoute-moi, ma Daisy, elle est... Je n'ai plus qu'à écouter. Tout se passe très bien sans même que j'intervienne. Ah, Godot. Oui, nous comprenons. Tout est de la faute de votre épouse. Expliquez-vous. L'accusé s'est fait licencier car il volait pour couvrir les dépenses de son épouse. Incapable de l'avouer à sa bien-aimée, il a été victime d'un maître chanteur. Voilà toute la trame de ce meurtre. Ah Renoir, vous semblez sourire. Ne parlez pas de ma Daisy comme ça. Vous le regretterez. Apparemment, ces premiers échanges nous ont révélé un grand nombre de choses. T'en penses quoi, Nick? Je pensais pas qu'on pouvait se faire aplatir en tout juste 20 minutes. Il est clair que l'accusé avait suffisamment de raisons pour vouloir tuer la victime. Il a volé pour son épouse et a tué pour protéger son secret. Cet homme de famille était un peu trop dévoué. Le mobile est clair. Ne nous éternisons pas. Ah. Que s'est-il passé sur la scène du crime à 1h du matin, monsieur Duplaisir? Parlez, nous écoutons. Dans le bureau du PDG. Quand je suis entré dans le bureau, il y avait une ombre mystérieuse. Soudain, j'ai pris un coup sur le front. Je me souviens avoir été un peu étourdi ensuite. Si je n'avais pas porté ça, je serais mort. Quand j'ai repris mes esprits, monsieur Bullard était là, étendu, mort. Quoi ? Vous avez pris un coup sur le front, alors. Le détective nous a fait sensiblement la même déposition hier. Il a dit que Masque de Masque l'avait frappé par derrière. Comme moi, ça est devenu le coupable, cette théorie ne tient plus la route. Personne ne croirait un mensonge aussi peu convaincant. Qu'est-ce que vous dites? J'ai vraiment été attaqué. Le contre-interrogatoire nous permettra d'évaluer la véracité de votre déclaration. Ok, monsieur Light. Ne ménagez pas sous prétexte que c'est votre client. Autrement, vous goûterez une tasse de mon mélange très spécial. Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Godot. J'ai foi en Henri. Je sais qu'il n'a pas commis ce crime. Allons-y. Poussons. Intéressant hein, de devoir pousser son propre client comme ça. Qui était cette ombre mystérieuse? Croyez-moi, si j'en avais la moindre idée, je vous le dirai immédiatement. Le fait qu'il ne réponde à aucune de nos questions ne va pas nous aider. Ok, dans ce cas, dans quel état se trouvait la victime à ce moment-là? Comment ça, dans quel état? Était-il déjà mort? Était-il toujours en vie? Peut-être lui qui vous a frappé, après tout. C'est une bonne question. Qu'en pensez-vous, monsieur Wright? C'est tombé. Et donc peut-être que ce sera un élément sur lequel il faudra revenir attaquer quand on aura plus d'informations sur l'état de la victime, quoi. Sur le front? Oui, j'ai pris un coup sur le front dès que je suis entré dans la pièce. Une attaque extrêmement rapide et violente. Vous rappelez-vous quoi que ce soit à propos de votre agresseur? Eh bien, je vous l'ai dit, j'ai reçu un coup rapide et violent. Alors je crois que j'ai été un peu étourdi. On ne peut vraiment pas en tirer grand-chose. Ouais. Porterait bien une attaque rapide et violente, là, tout de suite. Ça lui remettrait peut-être les idées en place. Ça n'avait pas porté quoi? Ça? Pourriez-vous clarifier ce à quoi vous faites référence? Mais mon costume de masque, bien sûr. Pas si vite. Masque de masque? Hein? Est-ce que j'ai oublié de vous le dire? Par prudence, je m'étais habillé en masque de masque. Ah! Et ensuite, je me suis rendu au bureau du PDG chez KB Sécurité. Quoi? Nick, tu étais au courant? Il ne me l'a jamais dit à moi. Je ne crois pas qu'il m'en ait jamais parlé non plus. Moi-même, je l'ignorais. Notre jeune ami aime garder ses petits secrets. Je suis désolé, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. Ah non, attendez.
C'est pas exactement vrai, mais quelquefois on oublie les choses, c'est tout. La sixième tasse de café me regarde d'un air froid. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons ignorer cette information. Témoin, corrigez votre déposition, je vous prie. Si je n'avais pas porté mon costume de masque, je serais mort. Pourquoi étiez-vous habillé en masque de masque? Pourquoi? Mais parce que masque de masque, c'est moi, bien sûr. Et enfin, que dites-vous là? Le procès de masque se déroule dans la salle à côté. Oui, sans doute, mais bon, à ce moment-là, je pensais qu'on essayait de me faire chanter sur l'affaire masque de masque. Donc, pour être prudent, je me suis dit que je viendrais habillé comme lui. C'est alors? Si vous saviez ce que c'est difficile de se déplacer avec cette satanée cape, c'est pour ça que ça a pris plus longtemps que prévu. Pris plus longtemps? De quoi parle-t-il? Qu'entendez-vous par plus longtemps que prévu? Ah, pour ouvrir le coffre, bien sûr. Ma cape s'est prise dans la porte du coffre, vous voyez? Il a ouvert un coffre? Tandis que je cachais le corps de Monsieur Bullard. Ah. Qu'est-ce qu'il a dit? Revenez en arrière une seconde. Oui. Il a... Le gars, il nous balance des bombes comme ça, tranquille. C'est vous qui avez caché le corps dans le coffre-fort. Bon, ça, nous, on savait déjà, mais... Eh bien, oui. Incroyable! Ah pourquoi, bon sang, pour quelle raison? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Question. Quand balance-t-on son slip sale dans la machine à laver? Pardon? La réponse est simple. Après l'avoir enlevé. Comme d'habitude, je ne vous suis pas très bien. Vous insinuez que Monsieur Duplaisir a caché le corps car c'est lui qui l'a tué? Vous n'êtes pas aussi idiot que vous en avez l'air. La métaphore était vraiment tendue. Monsieur Wright, n'allez pas nous dire que vous étiez au courant pour cette histoire de coffre-fort. Eh bien, si. Et pourquoi suis-je toujours le dernier à savoir? Témoin, n'oubliez pas d'ajouter ça à votre déposition. Oui, monsieur. Oh, on dirait que le juge est en colère, tous aux abris. J'ai paniqué, j'ai caché le corps dans le coffre, ça m'a pris environ 10 minutes. Qu'est-ce qui vous a pris de cacher le corps dans le coffre-fort? Eh bien... Parce qu'il ne rentrait pas dans un tiroir. Mais pas tout à fait ce que je voulais dire. Quand j'ai vu le corps, j'ai perdu les pédales. Je me suis dit, si on trouve le corps, on pensera que c'est moi qui ai fait le coup. Je crois que vous aviez une raison bien plus simple. Vous l'avez tué. Voilà pourquoi vous avez passé 10 minutes à cacher le corps. C'est plus plausible, en effet. Attendez. 10 minutes? Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Je viens de penser à un truc. Dans de telles circonstances, est-ce que tu tenterais vraiment de cacher le corps? Et est-ce que tu passerais 10 longues et précieuses minutes à le faire? Dans de telles circonstances? Quelles circonstances? Oh! Hé, Nick! Si tu penses que son comportement a été si bizarre, t'as qu'à présenter des preuves pour montrer ses circonstances. Bien sûr. Je vais consulter le dossier de l'affaire et présenter une preuve. Monsieur Duplaisir ne nous a pas déjà dit ça hier? Le témoignage ne contient pas grand-chose de pertinent. Je te parie qu'il nous cache encore quelque chose. Je m'étonnerais pas. Il va falloir lui tirer les vers du nez. J'espère simplement qu'il ne va pas nous compliquer la tâche. Ok. Petite sauvegarde. Le 10 minutes qui est ici. Est-ce que t'as vraiment envie de passer 10 minutes à bien cacher un corps lorsqu'il y a une alarme qui retentit? C'est où? Registre de l'alarme à 1h02. Votre honneur, j'aimerais que vous jetiez un œil sur ce registre, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il au juste? Du registre de l'alarme qui relie le bureau du PDG au poste de sécurité. Il suffit d'appuyer sur un bouton et un agent de sécurité est censé accourir aussitôt. Or, d'après ce registre, on aurait déclenché l'alarme une fois à 1h02. Que quoi? Si Monsieur Henri Duplaisir était l'assassin, il se serait enfui au premier son du signal d'alarme. Il savait qu'un agent de sécurité devait arriver d'un moment à l'autre.
N'oubliez pas à qui nous avons affaire. Il ignorait sans doute que le bâtiment disposait de son propre personnel de sécurité. Jusqu'à l'année dernière, mon client était chef de la sécurité. C'est un fait qu'il ne pouvait sûrement pas ignorer. De toute façon, l'agent n'est jamais venu. Pure coïncidence. Le fait est que l'agent de service ce soir-là était un pathétique bon à rien, qui venait de se faire cogner par le nouveau petit ami de son ex. Mais ça, monsieur Duplaisir ne pouvait pas le savoir. Encore une fois, n'oubliez pas à qui nous avons affaire. Je parie que monsieur Duplaisir n'a même pas entendu l'alarme. L'alarme est très bruyante. Ne pas l'entendre aurait été absolument impossible. Si, toutefois, il n'avait pas perdu connaissance, évidemment. Perdu connaissance? Que voulez-vous dire par là? C'est bon. Nous vous écoutons. Souvenez-vous du témoignage de l'accusé. Au moment où il est entré dans le bureau de la victime, quelqu'un l'a attaqué. Monsieur Duplaisir a dit avoir été étourdi. Je suis prêt à parier qu'il a perdu connaissance pendant au moins quelques minutes. Perdu connaissance? Il se serait évanoui? C'est pour ça que Monsieur Duplaisir n'a pas entendu l'alarme. Et c'est pour ça qu'il pensait avoir le temps de cacher le corps. Mais où voulez-vous en venir? Monsieur Duplaisir était évanoui quand l'alarme a sonné. Alors, à moins que mon client ait appuyé sur le bouton tout en étant inconscient, il me paraît clair que quelqu'un d'autre se trouvait dans la pièce avec lui. Eh oui, quelqu'un qui a assommé Henri Duplaisir et appuyé sur le bouton. Silence dans la salle, monsieur Wright, c'est... C'est ridicule. C'est lui, Henri Duplaisir, qui a assassiné Ken Bullard. Dans ce cas, qui a déclenché l'alarme? Mais... La victime, évidemment. Il a déclenché l'alarme au moment où l'accusé l'a attaqué. Il n'est pas mort sur le coup, il a tenu assez longtemps pour appuyer sur le bouton. Hein? Ken Bullard aurait déclenché l'alarme lui-même. Que pensez-vous de cette théorie, monsieur Wright? Je dois prouver que le vrai criminel se trouvait sur les lieux. Mais comment? Ai-je de quoi prouver que l'alarme n'a pas été déclenchée par Ken Bullard? Il est mort de quoi? Il est mort d'un coup, mais... Hémorragie cérébrale. Est-ce qu'on meurt directement avec une hémorragie cérébrale ou pas? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Ça va être une recherche internet un peu chelou, mais... Hémorragie cérébrale. Cérébrale. Temps de décès. Bon, je vais peut-être avoir le FBI qui va m'attaquer, qui va venir chez moi. Hémorragie intracérébrale, ça prend quelques semaines, donc ça doit pas être ça. Un an après. Ça a pas l'air d'être immédiat. Hein. Alors, faut vraiment que l'objet contendant l'ait assommé à côté. Ouais, non, moi je trouve que des éléments en rapport avec des hémorragies que t'aurais eu sans forcément que ce soit un coup brutal, quoi, peut-être. Je sais pas. Bah, j'ai pas d'autres pistes en même temps, hein. Je vais quand même présenter ça, hein, mais du coup, ouais, ça a l'air de jouer contre mon camp. T'as une petite sauvegarde, du coup, hein. L'opinion de la défense est la suivante, votre honneur. Cette pièce à conviction prouve que la victime n'a pas appuyé sur le bouton. Après, heure du décès, c'est à une heure précise, là. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas tant l'hémorragie cérébrale qui compte que l'heure du décès. Ils ont mis 1h00, quand même. Eh bien, qu'en pensez-vous, monsieur Godot? Je l'entends. La sonnerie de l'alarme. Hein? Elle résonne dans votre tête, n'est-ce pas? L'alarme sonne à la folle cadence des battements de votre cœur. Ah ouais? Peut-être un petit peu.
Monsieur Wright, vous allez devoir réfléchir plus attentivement. Non, c'était pas ça, non. Ouch. Aïe 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 aïe, tu commences à parler comme un détective, moi ça, l'opinion de la défense est la suivante. Ah oui, donc j'ai quand même bel et bien une pièce à conviction parce qu'il me remet directement sur ce choix-là. Donc ce n'est pas ça. C'est pas l'urne, témoignage de Henry, c'est pas ça. Oui, pas d'empreinte digitale. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Voilà. Vraisemblablement la preuve incontestable que vous cherchiez. Le bouton d'alarme. Et il y a un indice là-dessus? Absolument pas. Vous pourriez au moins réfléchir un tantinet avant de l'ouvrir. Le fait qu'il n'y ait aucun indice constitue un indice en soi. Alors là, c'est moi qui ne comprends plus rien. Le bouton ne porte aucune empreinte digitale. Si Monsieur Bullard avait appuyé lui-même sur le bouton, il aurait forcément laissé ses empreintes dessus. Henri du plaisir les a essuyés, c'est tout. Pourquoi aurait-il fait ça? Un agent pouvait entrer à tout moment. Il a touché ce bouton, j'en suis sûr. L'accusé, Monsieur Duplaisir, était déguisé en masque de masque. Et masque de masque porte toujours des gants. Pour quelle raison aurait-il essayé d'effacer les empreintes du bouton? Silence. L'évidence est là. J'embouche le goût amer de l'échec. Je me demande combien de morceaux d'échec il met dans son café. Toutefois, si le vrai tueur était sur la scène du crime, pourquoi a-t-il déclenché l'alarme? N'aurait-il pas plutôt dû s'enfuir pour éviter toute confrontation? Pourquoi ce silence embarrassé d'un seul coup? C'est apparemment un cours de tour de magie. Ils vont pas te lâcher ces deux-là, Nick. Donne-moi une minute que je rassemble mes esprits. Le véritable coupable a tué Monsieur Bullard aux alentours de 1h du matin. Notre Monsieur Duplaisir est juste arrivé au beau milieu du meurtre. L'assassin a assommé Monsieur Duplaisir avant d'appuyer sur le bouton. Bien que la sécurité fût censée rappliquer immédiatement, la sécurité était censée rappliquer. Nous avons assez entendu, Monsieur Wright. Nous vous écoutons. Nous avons assez attendu. Très bien. Oh, vous avez du cran. Qualité que j'apprécie chez un adversaire. Pourquoi le véritable assassin a-t-il déclenché l'alarme? Il n'a pas fait exprès. Pour alerter la sécurité, par curiosité, pour alerter la sécurité. Le tueur savait que s'il appuyait sur ce bouton, un agent accourrait aussitôt. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Vous voulez dire que l'assassin a alerté la sécurité intentionnellement? Oui. Même si au final, ça n'a servi à rien. Parce qu'au même moment, l'agent en question était en plein règlement de compte. Voilà une histoire touchante. Le tueur, pris de remords, a alerté la sécurité pour se rendre. Non, pas du tout. Lorsque l'alarme a été donnée, trois personnes se trouvaient dans le bureau. La victime, Ken Bullard, qui était déjà mort. L'accusé, Henri Duplaisir, qui était inconscient. Et une troisième personne, le véritable tueur. C'est possible, oui. Donc, réfléchissons. Dans une telle situation, si le vrai tueur s'échappait, que se passerait-il? Les seules personnes restantes seraient la victime et Henri Duplaisir. Et si la sécurité était arrivée à ce moment-là, il aurait immédiatement conclu que j'étais l'assassin. Oui. C'est précisément l'objectif du tueur. Piéger Henri Duplaisir et le faire passer pour le meurtrier. Silence. De toute évidence. Je vais devoir ravaler mes paroles encore une fois.
Si seulement vous pouviez aussi ravaler le café que vous venez de cracher. Monsieur Wright, c'était qui? Qui a donc tenté de me faire porter le chapeau? Attendez. Une petite minute. Je suis le seul et l'unique masque de Hank. Nick, ça veut dire que le vrai meurtrier... Nous allons amener cette personne devant la cour immédiatement. Mais qui donc? Je n'ai encore aucune preuve concrète, mais réfléchis. Le tueur connaissait l'identité de Monsieur Duplaisir. Il savait aussi qu'on lui avait demandé de se rendre à Cabé Sécurité cette nuit-là. Le tueur s'est donc servi de lui pour assassiner Ken Bullard. Voyons donc. J'écoute vos accusations, Monsieur Wright. Qui a essayé de faire inculper Monsieur Henri Duplaisir pour le meurtre de Ken Bullard? Bah, comme Phoenix, je n'ai aucune preuve tangible. Je ne sais encore absolument pas comment il a fait. Mais bon, il faut dire ce qu'il est, il y a un méchant dans cette histoire, et c'est lui. Le détective Matt Moissin. C'est le seul à avoir pu commettre ce crime. L'as des détectives. Matt Moissin? Vous voulez dire que Masque de Masque a fait le coup? Votre honneur, la personne qui comparait dans la salle voisine de la nôtre n'est pas Masque de Masque. En réalité, c'est le véritable assassin de Ken Bullard. Silence! Silence, Monsieur Wright, expliquez-vous. Vol ou meurtre? Lequel de ces crimes vous paraît le plus grave? Aucun doute là-dessus. Le meurtre est le plus grave, bien entendu. C'est un crime capital qui est passible de peine capitale. Essayez de vous souvenir du procès d'hier. Lorsque Matt Moissa a tout avoué, il y a eu un vrai remue-ménage dans la salle. Naturellement, on venait de découvrir qu'un célèbre détective était Masque de Masque. Au lieu d'être condamné pour meurtre, il a été déclaré coupable de vol qualifié. Ce qui était son objectif depuis le début. Être déclaré coupable ? Masque de Masque possédait le parfait alibi pour l'heure du meurtre. Ça explique qu'il y ait le sac avec l'urne qui a été mis autant en évidence dans son bureau aussi. Il était en train de voler l'urne aux Galeries de France. Autrement dit, être reconnu coupable en tant que Masque de Masque donnait à Matt Moissa un alibi absolument irréfutable. Un verdict de culpabilité comme alibi. Vous savez, il est presque l'heure. L'heure de quoi? Du verdict contre Matt Moissa. Il s'agit d'un procès très simple, ne l'oubliez pas. Si nous devons suspendre ce procès pour arrêter l'autre, nous devons agir de suite. Bien sûr. Si toutefois vous avez la preuve que le détective est bien l'assassin. Monsieur Matt Moissa fait effectivement parler de lui dans tout le pays. Toute intrusion sans preuve adéquate quant à son implication dans ce meurtre enlèverait à Monsieur Duplaisir toutes ses chances de faire appel. Suis-je vraiment sûr de ce que j'avance? Je suis vraiment sûr que je sauvegarde? Un pari n'est vraiment captivant que lorsqu'une vie est en jeu. Monsieur Wright, moi, je crois en vous. Monsieur Duplaisir. Alors, je vous en prie, je vous en supplie. Merci, mais... Ma décision va dépendre le reste de votre vie. Ai-je le droit de mettre votre vie en jeu? Phoenix. Qu'est-ce que c'était? N'hésite pas, Phoenix. Pour sauver ton client, suis la voie de la confiance. Cette voix... Bon, on dirait... Mia? Votre honneur, la défense requiert une suspension d'audience. Ah, alors voilà votre réponse, hein. Très bien, j'ai moi aussi pris ma décision. Cette cour marquera une pause de 20 minutes. Monsieur Wright, à notre retour, faites appeler Monsieur Matt Moissa à la barre. Bien, votre honneur. Oh là 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 là, j'ai des frissons, moi. Ah, c'est Boulet qui s'occupe de l'affaire à côté. Eh bien, monsieur le détective Moissa. Bravo, monsieur Boulet. Vous vous êtes splendidement acquitté de votre tâche. Oh non, pas du tout.
Monsieur le détective, moi ça, c'est vous qui... Ça suffit. La cour ne voit aucune raison de prolonger ce procès. À cette cour, déclare l'accusé, mademoiselle. Attendez. Retardez votre verdict, je vous en prie. Tiens, tiens. Monsieur l'avocat, bienvenue dans ma salle d'audience. Qui diable est cet énergumène ? Je m'appelle Phoenix Wright, je suis avocat. Et je souhaite déposer une plainte contre cet homme, mademoiselle. Une plainte ? Vous accusez Masque de Masque ? Cet homme n'est pas Masque de Masque, mais un meurtrier sans pitié. Quoi ? Boulet en mode, mais je peux vraiment jamais avoir une victoire de temps en temps, là ? J'avais une réputation, moi, fut un temps, vous savez. Puis c'était en mode, pour une fois que la personne que j'accuse, elle est polie avec moi. Ma sœur ? J'aurais juré avoir entendu la voix de Mia. Alors, elle est toujours vivante ? Là, dans ton cœur. Nikki Baby. Ah, Madame du Plaisir. Est-ce que ce que j'entends est vrai ? L'assassin, c'est le détective ? Pour être franc, nous n'avons encore aucune preuve. Mais lui seul a pu faire le coup. Mais n'était-il pas aux Galeries de France cette nuit-là ? Sans oublier qu'on ignore tout de son mobile. C'est vrai, pourquoi le détective Moissa aurait-il assassiné Ken Bullard ? Ah, c'est presque l'heure. Nous ferions bien de regagner la salle d'audience. On va trouver des preuves solides. Et vite. Bon, ça va être dur. Ça va être compliqué. Bon, un petit coup. Maintenant que j'ai vu un autre juge, je trouve que le nôtre est particulièrement beau. Voilà. La séance peut reprendre. Monsieur Matmoissa. Prenez place à la barre, je vous prie. Nous y revoilà. Comment allez-vous, monsieur l'avocat ? Je ne vous aurais jamais cru capable d'actes aussi irresponsables. Vous ne pouvez pas les laisser rendre leur verdict et vous fournir l'alibi parfait. Un alibi répondant au nom de Masque de Masque. Désolé, mais même le grand Matmoissa ne suit pas votre raisonnement. Mais il est vrai que je suis à côté depuis 10 heures ce matin et que par conséquent, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Vous avez passé la journée sur le banc des accusés, n'est-ce pas ? Vous comparaissez sous l'identité de Masque de Masque. C'est exact. Le commun des mortels se laisse si facilement duper. Non seulement on m'a demandé de protéger des objets précieux, mais on m'a même généreusement récompensé pour les avoir rapportés. Prenez ce diamant qui brille sur mon doigt divin, par exemple. Donc vous continuez de soutenir que vous êtes bien Masque de Masque. Bien entendu. En ce cas, monsieur Matmoissa, permettez-moi de vous poser une question toute simple. Le 12 octobre, à 1h du matin, Ken Bullard a été assassiné. Où étiez-vous en ce moment précis ? Celui qui ignore tout ignore même qu'il devrait avoir honte de sa propre personne. Mais soyez sans crainte, monsieur le juge, je ne vous en veux pas pour autant. Merci. Très bien, monsieur Moissa. Parlez-nous de la nuit du crime. Nous vous écoutons. Comme vous voudrez, monsieur le procureur. L'alibi. Je volais l'urne sous les traits de Masque, comme prévu. J'ai eu 100 fois le temps de préparer ce casse d'une facilité déconcertante. Les photos ne parlent pas, et pourtant, dans ce cas, la photo est mon témoin. La caméra a saisi l'image de Masque exactement à l'heure du meurtre. La photo de la scène du délit est visiblement notre sujet de discussion principal. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent faisait partie de son plan.
Cette photo aussi doit cacher un secret. Même le grand masque de masque aurait du mal à se trouver à deux endroits à la fois. Et maintenant, vous m'excuserez, mais j'attends mon verdict de l'autre côté. Malheureusement, monsieur Moissa, il nous reste à procéder à votre contre-interrogatoire. La folie du fou lui masque sa propre folie. Je crois que ce qu'il essaie de dire, Nick, c'est que tu te la joues grave. La seule chose grave ici, c'est l'odeur pestilentielle de son alibi. Cette photo est donc ce qui vous sert de preuve. Vous m'avez bien compris. Il est indéniable. Dans ce Phoenix, il est indéniable que l'homme sur cette photo est masqué. C'est bien pour cela que l'on m'appelle Masque de Masque. Et c'est bien pratique car cela nous empêche d'identifier le voleur. Et expliquez-vous. Vous sous-entendez qu'il ne s'agit pas de Matt Moissa. Qu'il s'agirait d'un complice déguisé en masque de masque pour créer un alibi. Oh, voilà une idée intéressante. Vous insinuez que moi, le voleur solitaire, j'ai un complice ? Est-ce qu'il a un complice ? Moi, je pense pas qu'il a un complice. Je vois pas un autre perso qui arrive d'un coup, ou un perso qu'on connaît déjà. Désir et du plaisir complice, finalement. Ce serait terrible. Andrea, je la vois pas être complice. La seule où je me dis ça ferait un énorme plot twist, c'est Désiré, mais actuellement ça fait pas sens du tout. J'ai pas envie d'y croire. Non. Si Matt Moissa se trouvait chez KB Sécurité au moment du meurtre, le masque de la photo est forcément un imposteur. Alors il devait forcément avoir un complice. Et pour l'instant, je n'ai pas la moindre idée de qui il s'agit. Ah, on part quand même du principe que c'est un complice. Pas franchement, moi non plus. L'objection sans fondement, c'est précisément ce que ce type attend de moi. Il doit bien y avoir un autre moyen, à moi de le trouver. C'est Andrea Landry qui vous a engagé, n'est-ce pas? C'est exact. C'était il y a plus de 20 jours, si je ne m'abuse. Vous avez envoyé votre carte de visite aux galeries 10 jours après le cambriolage. Avant, le cambriolage. Autrement dit, vous avez envoyé cette carte après avoir commencé votre mission. Oui, j'étais tout à fait capable de faire les deux en même temps. C'était l'occasion rêvée pour voler ma nouvelle cible. Je vois. Vous êtes vraiment machiavélique, vous. Merci. Machiavélique, ce qualificatif me va bien. Hé, Nick, tu ne trouves pas ça bizarre? Le détective Moissa a toujours été très fier d'être un as des détectives, non? Mais Sigourne a vraiment été volé aux galeries, pendant qu'il surveillait les lieux. Il peut dire adieu à sa parfaite image d'as des détectives, non? C'est vrai, tu as raison. C'est un petit peu bizarre. Ok. Faut pas trop où on va en venir. D'ailleurs, la photo, est-ce qu'il y a la date dessus? Il n'y a pas la date, hein. Donc ça pourrait très bien être un autre jour, en vrai. Est-ce que ça pourrait être un autre jour? Parce que nous, on était venus la veille, mais on n'avait pas vu l'urne. On n'avait pas vu l'urne. Et il y avait déjà la peinture, mais elle était cachée. Ok. Donc, par photo, vous entendez la pièce à conviction présentée ici. Est-ce exact? Parfaitement, c'est ça. Cette chose prouve que je suis l'auteur du délit. Même si on a un registre qui dit que c'est la bonne date, non? C'est plus. La photo qui prouve que vous êtes l'auteur du délit. Tout bien réfléchi, c'est vraiment étrange. À vous entendre, on dirait presque que vous avez pris cette photo exprès. Il s'est fait prendre par la caméra qu'il avait installée lui-même. Il y a des jours comme ça. Je ne vous le fais pas dire. Le crime parfait n'existe pas, visiblement. La vie est pleine d'ironie. C'est une mélodie triste et languissante. Je ferais mieux de récolter plus d'informations. Si
Si c'est vraiment le tueur, il doit y avoir un truc qui cloche sur cette photo. Au sujet de la caméra qui a pris cette photo. Allons, vos pensées sont si claires que je les entends ici. Ah ? Vous croyez que j'ai falsifié l'heure sur la photo ? C'est ça, hein ? J'ai bien peur que ce soit impossible. La caméra a été installée par les Galeries de France. Et en plus, la photographie a été imprimée par le personnel des galeries. C'est dommage pour la défense, mais la photo n'a pas pu être truquée. Je vois. Je vais devoir trouver une autre chose. Alors son alibi est faux. Forcément, sinon il n'aurait pas pu tuer Monsieur Bullard chez KB Sécurité. Mais je ne remarque rien d'anormal, moi. Il y a deux possibilités. Soit le masque de masque de la photo est un imposteur, soit la photo est truquée. Ou alors, c'est vraiment Masque de Masque qui a volé l'urne. Mais pas à cette date-là. La caméra de l'entrepôt s'est déclenchée vers 1h la nuit du délit. Elle s'est quand même déclenchée la bonne nuit. Hein. Mais est-ce que c'est prise par la caméra la nuit du délit, donc si c'est la bonne nuit. C'est la bonne nuit. En faisant tomber la boîte de l'urne il y a 15 jours. La peinture, elle date d'il y a un bon moment. Hein. Je sais pas trop par où attaquer. C'est là-dessus qu'il faut se casse d'une facilité déconcertante. On a déjà présenté le fait que le fait qu'il y ait une photo, c'est bizarre. Le temps de préparer ce casse d'une facilité déconcertante. Au chef de la sécurité des Galeries de France, je viendrai sous peu dérober l'objet le plus précieux de votre exposition, les trésors de Cura. Merci de bien prendre soin de l'urne mouchetée. L'urne mouchetée. Sincère salutation, masque de masque. Donc il sait qu'il y a déjà de la peinture dessus. Ça, c'était 15 jours. 15 jours, donc 5 jours avant qu'il envoie ça. Il était déjà... Il était déjà... engagé. Mais en quoi est-ce que ça m'aide ? Pas sûr, j'ai pas mal de trucs qui se chamboulent dans ma tête là. Je vais regarder une solution. Parce qu'il y en a aucune où je me dis que je suis vraiment sûr de cette piste là. C'est pas ça. Le truc que j'ai pas testé, c'est de dire qu'il a un complice, mais je pense pas qu'il en ait un.
Ah, en fait, je peux... D'accord, il y a un élément que j'ai pas eu. En gros, je peux réattaquer ici. Et à la deuxième attaque, j'ai un nouveau choix qui arrive. Ok. Hop. Bah, réattaquons alors. Pièce à conviction. La chose qui prouve que vous êtes l'auteur du délit. Vous pourrez toujours pas. Vous n'aurez pas pu la trafiquer. Et donc, je n'ai pas pu tuer Ken Bullard, à moins d'avoir eu un complice. Allez, réfléchis bien cette fois. L'entrepôt du sous-sol est la photo que la caméra a prise. Il doit y avoir un indice. Y a-t-il rien d'étrange sur cette photo? D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'étrange sur la photo? La boîte à pas de peinture, ça on en avait déjà parlé. Il y a déjà la peinture sur le sol. Peinture sur le sol fait bien une trace de boîte. On va dire un peu mon neveu en tout cas. Vous insinuez que cette photo est truquée? Absolument. Il y a un truc qui cloche sur cette photo, c'est certain. Nous avons visité l'entrepôt du sous-sol cette nuit-là avant le vol. Et quelque chose sur cette photo ne correspond pas à mon souvenir des lieux. La nuit avant le vol. Oui, il y a la statue aussi. Tellement de possibilités. Très bien, nous vous écoutons. Que trouvez-vous d'étrange sur cette photo? Soit je dis la statue. Elle avait été déplacée pendant la nuit, non? La boîte ici, il n'y a pas de peinture. Ou la trace ici qui peut être perçue comme étrange. Je vais tenter de dire la peinture ici. Je crois que ce qui se cloche se trouve dans cette zone par là. Cette zone, c'est pas très précis ça. Ah, ça a l'air pas bon. Ça a l'air pas bon du tout. Petit Kawa me paraît un peu plus fort que d'habitude. La cloche, à mon avis, se trouve du côté de la zone de la défense. Non! Ah oui, il faut tout... charger, ça ira plus vite pour revenir sur la photo. Bon, du coup, je vais tenter... Je vais tenter plus... c'est par où qui est censé y avoir le... Bon, je vais tenter par ici, du coup. Ce qui ne concorde pas, c'est ça. Quoi? On dirait que c'est une tache de sang. Ah, du sang. L'affaire pour une tournure très intéressante. Pas exactement. Il s'agit en fait d'une trace de peinture rose. Oh, de la peinture. Et couleur pêche. D'abord couleur sang, maintenant pêche, ce juge est daltonien ou quoi? Le problème sur cette photo, ce n'est pas la peinture. Le problème, c'est l'aménagement de l'entrepôt du sous-sol. Il y manque une chose qui aurait pourtant dû s'y trouver. Continuez, monsieur Wright. Que devrions-nous voir sur cette photo au lieu de la tache de peinture? La statue en or, j'imagine, entreposée au sous-sol le jour du meurtre, de nouveau déplacée cette nuit-là. L'organisatrice de l'exposition des trésors a expliqué la chose suivante. Et ça s'explique facilement le jour du vol, vers midi. Nous avons reçu cette statue en or du centre de formation des montagnes. Je me suis dit que la statue serait parfaite pour cacher les taches de peinture. Alors... Je l'ai posé à l'endroit où vous l'avez remarqué la première fois. J'étais moi-même présent le soir du vol et je confirme que la statue était à cet endroit. Si cette photo avait vraiment été prise cette nuit-là, la statue se serait trouvée ici.
Quand j'y suis allé le lendemain du vol, la statue de cette vieille harpie se trouvait dans le coin. Peut-être l'y a-t-on poussé accidentellement. Votre honneur, cette statue est légèrement plus grande que vous et très lourde. Il faudrait plus qu'une poussée accidentelle pour la faire traverser la pièce. Dans ce cas, prouvez-le. Êtes-vous en mesure d'expliquer pourquoi la statue a été déplacée cette nuit-là? Tu peux le faire, Nick? On se fiche de qui l'a déplacée. La question est de savoir pourquoi on l'a déplacée. Eh bien, Monsieur Wright, j'espère que vous avez plutôt une réponse à nous donner. Alors, qui a déplacé la statue en or la nuit du crime? Je sais pas pourquoi, c'est qui finalement, faudrait savoir. Qui a déplacé la statue en or la nuit du crime? Strictement aucune idée. Masque de masque, bien sûr. La nuit du crime. Je serais tenté de dire masque de masque en vrai. C'est un peu vague. Je vais vérifier. La statue en or d'Amifei. Oh non, il fallait dire mode-moi ça, ok. Je suis un peu perdu parce qu'on... C'est très logique hein, de dire mette-moi ça, mais vu qu'on tourne un petit peu en rond, je sais pas trop où est-ce qu'on se situe, ce qu'on essaie d'atteindre. Mais restons terre à terre, allons-y. Celui qui a déplacé la statue n'est autre que... Mette-moi ça. Allez, monsieur l'avocat. Voilà, reparti dans vos divagations idiotes. Monsieur Wright, sur quoi basez-vous vos divagations idiotes? C'est très simple. Le témoin était le seul à se trouver dans l'entrepôt du sous-sol ce soir-là. C'est très simple, en effet. Toutefois, pourquoi aurais-je déplacé une statue en or aussi lourde? La raison qui l'a poussé à déplacer la statue, c'est là que la fête commence. Eh bien, Monsieur Wright, pourquoi le témoin a-t-il déplacé la statue? Oh, j'ai du mal dont je sauvegarde. Hein. La raison se trouve ici, sur cette photo. Mette-moi ça, vous prétendez être masque de masque. Pour faire croire que vous étiez aux Galeries de France et vous forger un alibi. Seulement, cette photo présente un tout petit mais fatal défaut. Si la statue avait été ici, votre mensonge aurait été révélé en moins de 2. C'est pourquoi vous avez déplacé la statue. Parce que la statue n'était pas encore arrivée quand il a pris la photo. Ouais, c'est vraiment un truc de c'est pas le bon jour, tous les coups. Un petit défaut fatal? Théorie intéressante. Expliquez-nous, je vous prie. Oui, où sur la photo se trouve? L'explication, j'ai pas eu le temps de lire. Où se trouve l'explication du pourquoi, j'imagine? Je vais tenter de dire celle-là parce qu'il n'y a pas le jour, mais... Ça me semble capillotracté. Oh, je suis à l'ouest, hein. Bon, moi, je parie sur « il faut montrer l'heure ». C'est ça. En désignant l'horloge sur la photo. Ça, c'est bien ça l'horloge, on est d'accord, hein, c'est l'heure qui est là. En mode il y a l'heure, mais il n'y a pas le jour. Trop bien! Je préfère vérifier quand même. Mais au moins j'étais à nouveau dans le vrai. Naturellement, le mensonge, c'est l'heure indiquée sur la photo. Que voulez-vous dire? Je vais vous l'expliquer. La nuit en question, mette-moi ça, s'est rendu à KB Sécurité et a tué Monsieur Bullard. Donc, c'est évident. Il ne pouvait pas se trouver aux Galeries de France au même moment. Mais quel rapport avec la statue déplacée? Rappelez-vous, votre honneur. Quand cette statue a-t-elle été placée près de la porte de l'entrepôt? Eh bien... La statue a été descendue dans l'entrepôt le jour du crime. Elle a été placée à cet endroit-là pour cacher la peinture. Précisément. Matmoissa avait déjà décidé de l'heure à laquelle il allait assassiner la victime. Et de manière à se créer un alibi pour cette heure précise, il a pris cette photo plusieurs jours avant le meurtre. Par tous les... Évidemment,
Cela s'est passé avant qu'on ne descende la statue au sous-sol. Ah ! Donc, le jour du crime, Monsieur Moissa a dû se retrouver plutôt angoissé. Une vache apeurée poussait tête baissée vers l'abattoir, façon de parler évidemment. Pourquoi ? Car un objet qui n'était pas censé être là avait été placé à un endroit qui était censé être vide. Et c'est pour ça que Matmoissa a déplacé la statue la nuit du meurtre. Il l'a fait pour que l'endroit ressemble à celui qu'il avait pris en photo. Ah, c'est stylé. Je suis content, c'est un truc que j'avais dans le bon là, et puis en plus, que je trouve bien élaboré, bien stylé. On se pose la question, du coup il a fait ça, et ensuite il est reparti pour aller voir Bullard. Bon, de toute façon il avait tout le temps de la nuit devant lui. Hein. Silence, silence, monsieur Moissa, est-ce vrai? Un instant, votre honneur, avez-vous oublié ceci? Qu'est-ce que c'est? Les données de l'ordinateur de l'entrepôt du sous-sol. Elles confirment que la caméra s'est bien déclenchée la nuit du crime. La caméra a certes été installée par le personnel des Galeries France. Néanmoins, le programme utilisé pour gérer les données est le vôtre, ce qui vous a permis de falsifier ces données à loisir. Silence, silence. Monsieur Godot, que se passe-t-il? Godot, je vous ai dit de ne pas me faire attendre, veuillez poser cette tasse. 11e tasse. Je me suis promis de ne pas en boire plus de 17 par procès. Ce qui veut dire que j'ai encore de la marge. Ceci dit, la défense a émis une hypothèse solide. Une hypothèse solide. Et alors? La vie n'est qu'une succession d'hypothèses plus solides les unes que les autres. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Donc, d'après vous, cette photo a été prise à l'avance, et cette statue a été déplacée pour que tout corresponde. L'idée est très intéressante, je vous l'avoue. Toutefois, une chose est indéniable. Laquelle? Ce n'est encore qu'une possibilité. Les hommes qui s'enchaînent à leurs suppositions ne réalisent jamais leurs rêves. C'est très vrai, ça. N'écoutez pas, votre honneur. Monsieur de Masque. Oui. Si vos agissements sous les traits de Masque sont aussi simples que ça, vous n'aurez aucun mal à nous révéler votre stratégie. Nous vous écoutons. Oui, veuillez témoigner devant cette cour. Sur votre plan pour voler l'urne sacrée. J'ai reçu la demande des Galeries de France il y a une vingtaine de jours. L'urne a été placée dans une boîte Esvari, direction l'entrepôt. Je n'ai donc pas vu l'urne avant le jour du délit. Je savais sa valeur inestimable, alors j'ai envoyé ma carte 10 jours avant. Je me suis ensuite chargé, seul, de la sécurité pour faciliter mon méfait. J'ai enfin pu tenir l'urne en main pour la première fois, à 1h le 12 octobre. J'ai l'impression que ça ne nous apprend pas grand-chose de nouveau. Ouais. La vérité se cache quelque part dans tout son baratin, il faut la trouver. Et moi, vous êtes sûr de n'avoir fait aucune erreur cette fois-ci. Zwari. Très bien, Monsieur Wright, vous connaissez la chanson. Alors. J'ai reçu la demande des Galeries de France il y a une vingtaine de jours. Mademoiselle Andrea Landry vous a demandé de surveiller l'urne, c'est exact. Zwari, elle connaissait visiblement mon talent incroyable. Je vois que Mademoiselle Landry tombe toujours sur les mecs tordus. Tu ferais bien de faire gaffe aussi, Maya. L'urne a été placée dans une boîte et direction l'entrepôt. Vous voulez parler de cette boîte? C'est ça, cette boîte ridicule. Mademoiselle Landry était très attachée à cette urne. Elle ne laissait personne entrer dans l'entrepôt, pas même moi. Enfin, un nouveau fait intéressant. J'ai donc pas vu l'urne avant le jour du délit.
Mais elle a été cassée entre temps quand même à un moment donné. Donc vous êtes certain de n'avoir jamais vu cette urne avant. C'est exact. Demandez à Mademoiselle Landry si vous ne me croyez pas. Ma stratégie de sécurité était entièrement focalisée sur l'entrée de l'entrepôt. Moi, faites-moi ça, je n'ai omis aucun détail. Ok. J'ai pas vu l'urne avant jour du délit. Et là il dit qu'elle est mouchetée, elle n'est mouchetée que parce qu'il y a eu l'accident qui a eu lieu à l'entrepôt. Donc il a vu l'urne avant jour du délit. Je suis content d'avoir lu la carte finalement aujourd'hui au final, parce que j'ai absolument pas lu la carte depuis le début de l'affaire. Monsieur Moissa, si vous êtes véritablement Masque de Masque, vous devez être l'auteur de cette carte de visite. Je ne me trompe pas. Cela va de soi. Cette carte de visite vous pose problème. Permettez-moi de vous lire un passage de ce que Masque de Masque a écrit. Merci de bien prendre soin de l'urne mouchetée. Or, ce qualificatif « moucheté » fait sûrement référence aux traces roses qui se trouvent sur l'urne sacrée. Oui, sans doute. Et alors ? À dire vrai, Masque de Masque ne pouvait pas savoir que l'urne était mouchetée. Que voulez-vous dire par là ? Ces traces roses qui parsèment l'urne, ce sont des taches de peinture. Des taches de peinture ? Et ces taches ont été faites après que l'urne a été envoyée aux Galeries de France. Je ne trouve pas cette blague très drôle, Monsieur Light. Le jour où elle est arrivée à l'entrepôt, l'urne a été brisée par maladresse, ou devrais-je dire, par une maladroite. Et c'est à ce moment-là que l'urne s'est retrouvée pleine de taches roses. Ah, ça n'est pas possible. Pourtant, cette carte de visite mentionne clairement la présence des taches. Ce qui signifie que le détective Moissa a vu l'urne bien avant le soir du vol. Vraisemblablement lorsque cette fausse photo a été prise. Et dans la mesure où cette photo est truquée, vous vous retrouvez de nouveau sans alibi pour la nuit du meurtre. Nice. Témoin. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Oui, ça y est, je le tiens. Nick, t'as pas l'impression que c'est un peu trop tôt pour crier victoire ? Hein ? Ah. Quelle tristesse. Personne n'a plus aucune conviction de nos jours. Conviction ? Dites-vous ? Hier, nous avons décidé à l'unanimité que cet homme était Masque de Masque. Aujourd'hui, nous en faisons un meurtrier. Cela ne vous paraît pas trop... inconstant ? En effet, c'est faux. Ne l'écoutez pas, votre honneur. Vous dites que Matt Moissa a tué Ken Bullard. Alors, je vous le demande. Pour quelle raison ? Une très bonne question. Le mobile, Monsieur Wright. Le mobile. Que faites-vous de mon mobile, Nick, il est en train de prendre son second souffle. Pour préparer un alibi et faire porter le chapeau à Henri Duplaisir, il devait avoir un mobile important. Le seul qui avait un mobile, c'est Henri Duplaisir. N'est-ce pas, détective ? Évidemment. D'après mes recherches, son mobile est clair. Sans mobile, prouver la culpabilité devient une quasi-impossibilité. Mais peut-être pourrez-vous nous plutôt expliquer le mobile de l'accusé. Merci, l'ancien. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour jeter le doute sur Henri. Malgré l'absence d'informations solides, c'est peut-être notre seule chance. Moi-même, Matmoissa, je n'avais aucun lien avec la victime. Ken Bullard a essayé de démasquer Masque de Masque et s'est trompé de personne. C'est Bullard qui a écrit la lettre de chantage et qui l'a envoyée à Henri Duplaisir. C'est aussi Bullard qui en voulait à Duplaisir de l'avoir trahi. L'erreur de M. Bullard est pardonnable. L'accusé
se prend vraiment pour de masques. C'est pourquoi Monsieur Duplaisir a cru bon de tuer Ken Bullard. C'est tragique. Donc, la victime, Ken Bullard, faisait chanter l'accusé. Voici la lettre de chantage retrouvée dans l'appartement de l'accusé. Une analyse graphologique a confirmé que Monsieur Bullard était bien l'auteur de cette lettre. Ah ! Quoi ? Signé Bullard, trouvé dans la chambre de Henri. Bon. Monsieur Wright, procédez à votre contre-interrogatoire. Mais après, là, dans la lettre, est-ce qu'il y a marqué Henri ? C'est peut-être juste adressé entre guillemets à Masque de Masque. Vérifiez. Ouais, non, ça pourrait très bien être une lettre qui a été balancée à Matt Moissa, qui lui-même ensuite l'a rebalancée chez Henri. Un n'empêche pas l'autre. Ok. Et qui donc pourrait le prouver ? Moi. Wow. Après avoir sérieusement enquêté sur le détective Moissa et sur Ken Bullard, mon rapport confirme qu'ils ne se connaissaient pas. Hmm. Et sur le plan professionnel, après tout, ils travaillaient tous les deux dans la sécurité. Que dalle. Votre réponse a le mérite d'être claire. De toute façon, celle du plaisir avait un mobile. Il s'est trompé. C'est exact, trompé. Faire erreur du latin errare, errare ou manum est. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Avec qui, au juste, le défunt a-t-il confondu Masque de Masque ? La question ne se pose même pas. Henri Duplaisir, bien sûr. Ce que je donnerais pas pour voir tomber ce sourire satisfait de son visage. Pourquoi la victime aurait-elle confondu l'accusé avec Masque de Masque ? Vous ne le savez donc pas ? Zvari, jetez un coup d'œil à ce journal. Oh oh, c'est la fameuse larme des Manon, un fabuleux bijou. Vous y voyez aussi un détective fabuleux, non ? En outre, vous y voyez aussi un agent très laid. J'ai nommé l'accusé. L'accusé ? La victime a évidemment mal lu l'article et Zvari. Il s'est trompé. Il a cru que cet agent de sécurité, dans toute sa laideur, était Masque de Masque. Je vois. C'est une déduction étonnamment logique. Vous voulez parler de cette lettre de chantage. Elle dit apporter 50 000 euros. Et l'écriture est, sans l'ombre d'un doute, celle de la victime. Aucune erreur possible. Notre rapport officiel le confirme. Je remarque que le destinataire n'est pas mentionné sur la lettre. Le destinataire. Cette lettre a été découverte dans l'appartement de Henri Duplaisir. Et Monsieur Duplaisir s'est rendu à l'endroit indiqué à l'heure indiquée. Le fait que le destinataire n'y figure pas n'a aucune importance. Je me demande si... Qu'est-ce qui se passe, Nick ? Je viens d'avoir une idée. Et si la lettre de chantage n'était pas destinée à Monsieur Duplaisir ? Ah ben, on est d'accord, on est d'accord. Waouh ! Tu peux le prouver ? J'ignore pourquoi, mais j'ai le sentiment que... quelque chose ne colle pas dans cette histoire de lettre de chantage. Tout le monde est content ? Qu'entendez-vous par là ? J'étais sûr que vous étiez déjà au courant. Zvari ! KB Sécurité possède plein d'informations sur toutes sortes d'entreprises. Et comme j'étais chef d'une équipe de sécurité, j'ai volé des informations secrètes à la société. Ken Bullard n'avait toujours pas pardonné à Monsieur Duplaisir. C'est pourquoi il lui a envoyé la lettre, croyant à tort qu'il l'adressait au voleur. Nous avons retrouvé ce dossier dans le bureau de Monsieur Bullard. Il prouve que Monsieur Bullard recevait de l'argent en faisant chanter sa victime. Cela étant, c'est étrange, non ? Pourquoi l'accusé a-t-il payé les sommes exigées par son maître chanteur ? Alors qu'il n'était pas réellement Masque de Masque. C'est là qu'intervient l'ironie du sort. Vous pensez vraiment que votre histoire tient la route ? Je ne suis pas le seul à penser ça.
Que voulez-vous dire? J'ai sur moi une déclaration de l'épouse d'Henri Duplaisir. Désiré Duplaisir. Oiton se prend pour Masque de Masque. On peut le plaindre, mais il ne faut pas lui en vouloir. Eh bien, Monsieur Light. C'est une imitation de Madame Duplaisir, ça, tu crois? Ouais, j'ai trouvé ça plutôt ressemblant. Moi aussi. Cette fois, votre imagination vous joue des tours. Allons, monsieur l'avocat. Le mot imagination est mal choisi. C'est une déduction, le résultat d'un raisonnement minutieux. Vous ne pourriez pas nous faire profiter de ce raisonnement minutieux? C'est une longue histoire et le moment ne se prête pas à sa narration. Une autre fois peut-être. En général, ce qu'on appelle une longue histoire ne prend que quelques minutes. Si on fait l'effort de la raconter. Tu sais trouver le lien entre le détective Moissa et Monsieur Bullard, c'est ça? Ouais. Et avec un peu de chance, ce ne sera pas trop difficile. Dans ce cas-là, il faut que tu parles du chantage. Tu as raison. Cette lettre de chantage était-elle réellement destinée à Henri? On manque de détails. Il faut que tu le cuisines pour qu'il t'en dise plus. Ça me permettra peut-être de relever quelques contradictions. Est-ce que du coup, il faut que je re-attaque comme avant? Il s'est trompé de personne. C'est Bullard qui a écrit et qui l'a envoyé à Henri Duplaisir. Ok, tout ça on l'a déjà vu. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire de lettres de chantage. Donc la lettre de chantage... Est-ce que je dois la représenter alors qu'on est déjà en train de parler de ça? Ça, la coupure de journal, c'est lui-même, c'est moi ça qui l'a montré. Je prendrai à la place le diamant rouge que vous avez reçu autre jour. J'ai complètement oublié de lire la suite, c'est pas possible. Si vous n'obéissez pas, je prendrai à la place le diamant rouge que vous avez reçu l'autre jour. Mais dis donc, vous avez un diamant rouge, vous? Mais c'est fou, je crois. J'étais persuadé d'avoir lu la lettre. Et je me souviens pas du tout du deuxième paragraphe. Et là, je l'ai vu sous les yeux, et même sous les yeux, il m'a fallu un moment avant de me dire, tiens, je serais intéressé de regarder ces lignes-là, peut-être qu'il y a un truc. Mais dis donc. Au pire, que je vous pose quelques questions, détective Moissa. Eh bien, il ne s'agit que de quelques questions, soit. Mais c'est tout. Lorsque vous avez déclaré que la lettre était adressée à Henri Duplaisir, je n'ai pas pu m'empêcher de relever une contradiction essentielle. Une contradiction? Elle est bien bonne, venant d'une contradiction vivante telle que vous. Il peut parler, tiens. Dans de telles circonstances, les hommes sont faits pour faire parler leurs poings. Montrez-nous donc de quoi vos poings sont capables. Bien dit, montrez-nous, Monsieur Wright. Montrez-nous la preuve qui contredit le contenu de la lettre de chantage. La preuve qui contredit le contenu de la lettre de chantage. Je comprends pas la phrase. Je suis débile, c'est pas possible. C'est lui la preuve, quoi. Enfin, il a le diamant rouge dans la main. Si vous n'obéissez pas, je prendrai à la place le diamant rouge que vous avez reçu l'autre jour. Le bijou et le voleur, le précieux bijou, estimable.
J'ai pas un truc qui dit qu'il a reçu... Bijoux... Registre un témoignage de Henri... La preuve qui contredit le contenu de la lettre de chantage. Je comprends pas. Je suis débile, hein, c'est pas possible. Parce que moi, je veux dire que le diamant, il y a une seule personne qui a reçu un gros bijou dernièrement pour avoir renvoyé un truc, et c'était Mademoissa. Donc je serais tenté de dire que je présente Mademoissa, c'est lui la preuve, mais je vais vérifier quand même, parce que là, je suis tellement en mode, je sais que je veux dire un truc précis, mais je sais pas si c'est ce que le jeu attend de moi, et je sais surtout pas comment est-ce que le jeu attend que je le dise, que j'ai l'impression que c'est plus un souci d'exécution que de raisonnement. Mais peut-être que je me trompe. Aide de chantage. Il faut montrer la coupure de journal. Apparemment. Bon. J'imagine qu'on va me dire pourquoi. Mais je l'aurais, j'aurais pas eu quoi. C'est par où? C'est par ici. Coupure de journal. Regardez attentivement cette coupure de journal. Il y a une photo du bijou volé, la larme des manants. Et alors? Le problème, c'est la couleur de ce joyau. La couleur? C'est loin d'être un sujet dont j'ai envie de parler. Si l'on en croit cet article, le joyau volé est bleu. Or, la lettre de chantage parle d'une couleur totalement différente. Ah, d'accord. Donc là, on est en train de dire que le diamant qui est dans la lettre n'est pas le même bijou que ce qui a été volé. Je sais pas pourquoi on essaie de dire ça, mais j'y crois à mort. Je prendrai à la place le diamant rouge que vous avez reçu l'autre jour. Rouge ? Ce qui signifie... que le diamant rouge de la lettre de chantage n'est pas la larme d'Emanon volée par Masque de Masque. Ah oui, d'accord, donc c'est pour dire, quand ils disent reçu, ça aurait pu être une métaphore de... une manière de dire que vous vous êtes permis d'aller prendre. Donc soit vous me donnez les 50 000 balles, soit vous me donnez le bijou que vous avez volé. Sauf que le bijou que vous avez volé, du coup, c'est pas ça, et c'est ça que Phoenix a voulu démontrer en premier, d'accord. Ok. Évidemment, j'avais pas le raisonnement non plus. Et vous voulez en venir où exactement, Monsieur Light? Vous voulez dire que cette lettre de chantage était destinée à quelqu'un d'autre? Est-ce bien ce que vous voulez dire, Monsieur Light? Est-ce bien ce que vous voulez dire, Monsieur Wright? Alors, est-ce bien ce que tu veux dire, Nick? Oui. En réalité, cette personne que Ken Bullard faisait chanter... Ça par contre, ça va... Je pense que c'est plutôt cohérent avec ce qu'on a eu jusqu'à présent. Naturellement. C'était vous, détective-moi ça. Et sur quoi basez-vous cette affirmation? Vous avez été personnellement impliqué dans chacun des cases de Masque de Masque. Dans la dernière affaire, vous avez même retrouvé ce qui avait été volé. Et reçu un bijou. En récompense. Un bijou? Sans doute celui que l'on aperçoit à votre doigt. Cette bague en diamant rouge. Et voilà, le diamant de la lettre. Ce qui signifie que Monsieur Bullard a écrit cette lettre de chantage à votre attention. Stylé. Silence, silence dans la salle. Silence, dis-je. Vous venez de dépasser les bornes des blagues infantiles, Monsieur Light. Je sens au ton de sa voix qu'il y a une tuile. Ken Bullard faisait chanter Mademoissa. Êtes-vous sur la même planète que nous? Mais oui. Nick, allez, tiens-lui tête. Alors répondez à la question suivante. La lettre de chantage contient le passage suivant. Si vous ne voulez pas que le monde découvre votre véritable identité... Je le confirme, en effet. Ken Bullard menaçait Mademoissa de révéler son identité.
identité qu'il ne voulait en aucun cas dévoiler. Mais de quelle identité parle-t-il ? Mwasa a tué Ken Bullard parce qu'il craignait que son secret soit révélé. Quelle était cette identité qu'il tentait de garder secret ? C'est là que la partie se joue, Nick. L'identité que Matt Mwasa cherchait à dissimuler était son identité... Le maître chanteur. Matt Mwasa était un maître chanteur. Attendez, vous changez pas un peu de refrain, là? Vous avez dit que Ken Bullard faisait chanter Matt Mwasa. Vous dites maintenant que Mwasa faisait chanter quelqu'un d'autre en plus? Avoue que ça a l'air un peu bizarre, hein? Ça n'a rien de bizarre. C'est même la seule explication possible. Ken Bullard faisait chanter Matt Mwasa. Cependant, quelqu'un faisait aussi chanter Henri Duplaisir. Vous avez commencé à recevoir des lettres de chantage après cet incident? Oui, quelques jours seulement après le vol de l'alarme des manas. Après ça, j'ai commencé à recevoir les plans dans ma boîte aux lettres. Ensuite, un bienfaiteur m'a envoyé des plans d'une précision incroyable. Des plans d'une précision incroyable? Alors, ça voudrait dire que Henri Duplaisir est bien masque de masque? C'est ce que nous affirmons. Quelqu'un a imaginé ces vols et ordonné à Monsieur Duplaisir de les exécuter à sa place. Et ce quelqu'un n'est autre que Matt Mwasa. Chut, silence. J'ai compris. Tout s'éclaire enfin. Quoi donc? À l'école primaire, vos bulletins disaient toujours la même chose. Distrait, cet élève a tendance à parler sans réfléchir. N'ai-je pas raison? Comment ça veut... Vous dites que moi, Matt Mwasa, je faisais chanter Henri Duplaisir. Je devrais donc tout savoir de sa relation avec Masque de Masque. Eh bien, oui. Henri Duplaisir a commencé à recevoir des plans à partir de son second vol, non? Autrement dit, j'ai su son identité quand il a commis son premier méfait. Bien raisonné. Autrement, vous n'auriez pas pu le faire chanter. Dans ce cas, goûtons à vos preuves. Qu'elles soient brûlantes et très amères. Au premier méfait, comment Matt Mwasa a-t-il su que Duplaisir était de masque? Avec la coupure de journal, on peut voir les deux ensemble. Puis, est-ce qu'il y a la poubelle? Il y a la poubelle qui est là. Je pense, hein. Je pense la coupure de journal, hein. Je crois que je commence à comprendre. Quoi? À l'école primaire, vos bulletins disaient toujours la même chose. Se créer des ennuis en essayant constamment de se distinguer. Comment ça veut... Cette coupure de journal contient une photo de vous et de Henri Duplaisir dans son uniforme d'agent. On dirait que Masque de Masque ne s'était pas simplement évanoui dans la nature. Il avait tout bonnement ôté son costume et l'avait caché dans la poubelle. C'est trop idiot pour être vrai. Justement. Un enfant ne tomberait pas dans le panneau. Alors, l'as des détectives. C'est là que vous avez tout deviné, n'est-ce pas, Monsieur Mwasa? C'est là que vous avez découvert que Masque de Masque était Monsieur Henri Duplaisir. Quoi? C'est pas lui, Masque de Masque? Oh non, et en plus, on dirait que c'était même pas un as des détectives. J'en reviens pas. Tu es qu'un sale maître chanteur. Quel escroc! Essayer de faire se faire passer pour un as des détectives comme ça, peu à... Bon sang. Je vais vous apprendre à me calomnier comme ça. C'est vrai, enfin, je n'ai jamais fait chanter qui que ce soit de ma vie. Je suis célèbre et fier d'être l'as des détectives ainsi que Masque de Masque. Pourquoi refusez-vous de me le comprendre? J'ai bien peur que vous ne soyez ni un grand voleur, ni un grand détective. Juste un maître chanteur et un meurtrier. Là voilà, votre véritable identité. Je vous maudis. Comment pouvez-vous insinuer, puis tomber si bas, essayer de faire quelque chose, bande de gros bavards idiots incapables? Vous n'arrivez même pas à la cheville de mon talent, enterrez-moi, sacrifiez-moi, mais souvenez-vous, le grand l'as des détectives, tout puissant chantage par menace, je ferai tout. Tout ça est tout bonnement risible.
Je crois que nous tenons enfin notre vérité. C'était une sacrée performance de la part du détective Moissa. Huissier, veuillez préparer une cellule pour Monsieur Moissa. Le marteau, qui frappe trop vite, manque souvent sa cible. Comment ? Déjà prêt à prononcer mon verdict ? Permettez-moi d'ajouter une petite chose. C'est moi qui jugerai. Plus agressif, tu meurs. Apparemment, vos griffes n'étaient pas suffisamment acérées, Monsieur Light. Où voulez-vous en... C'est vrai. Vous avez prouvé pas mal de choses. Notamment que Matt Mawson n'était qu'un vil maître chanteur. Et qu'il ne se trouvait pas dans les locaux des galeries la nuit du meurtre. C'est exact. C'est bien la preuve qu'il a tué Monsieur Bell. Toutefois. Il vous reste encore une chose à prouver. Laquelle ? Il n'était pas à l'entrepôt. Mais ça ne prouve pas qu'il était sur la scène du crime. Et si vous ne pouvez pas prouver que cette ordure était dans les locaux de KB, je ne vois pas comment un verdict peut être prononcé. Oh non, impossible. Silence, silence dans la salle. Eh bien, Monsieur Wright. Cette fois, ça y est, c'est le dernier round. Je dois prouver que moi ça se trouvait dans le bureau de Monsieur Bullard cette nuit-là. Je dois sauvegarder la partie, on ne sait jamais. Mais, tu peux vraiment le prouver ? Vous avez eu assez de temps. Monsieur Light, votre réponse, s'il vous plaît. Cette nuit-là, Matt Moissa se trouvait à KB Sécurité et la Défense. Je fais comment ? Il y a la liste des prix qui étaient sur la table, hein, donc il s'attendait. Du délit à 1h. Trouvé dans les locaux de KB Sécurité vers 1h la nuit du délit. Et ça, c'était à l'intérieur. On aura peut-être un moyen de trouver quelque chose. Hein. La Défense peut le démontrer. Preuve à l'appui. Vous en êtes sûr ? Ne vous inquiétez pas, je veillerai sur vous. Je vous ramasserai à la balayette quand vous tomberez en miettes. Très bien, voyons ces pièces à conviction. Prouvez-nous que Matt Moissa se trouvait dans les locaux de KB Sécurité cette nuit-là. Je sais pas, j'ai bluffé. J'ai bluffé, j'aurais pas dû... La liste de Ken qui est quand même sur la table de la scène de crime, si c'est bien les valeurs pour mettre chanté, c'est que ça a été sorti pour qu'il se voit. Hein. Moi je dirais la liste de Ken, je vais vérifier quand même. Mais... Je n'ai aucune preuve. Oh no! Il n'y avait pas de preuve. Terrible. Terrible, bon bah je vais perdre des points de vie, hein, tant pis. Oups. Oh, voici la preuve. Ah non! Le café. Le café. Je n'ai pas de quoi le prouver. Je ne peux pas le prouver. J'en étais sûr. Ah, j'ai bluffé au mauvais moment. Je comprends pas les bluffs de mon perso, et puis quand il peut pas bluffer, j'essaye quand même. Mais si nous écoutions le témoignage du détective Moissa encore une fois. Malheureusement, vous n'irez pas plus loin, Monsieur Light. Que voulez-vous dire ?
Je n'autoriserai plus aucun témoignage. Voilà ce que je veux dire. Comment ? Vous avez oublié. Boissa était ici parce que nous avons interrompu son procès. Et vous n'avez pas pu prouver qu'il avait commis le meurtre en question. Je pense que le moment est venu pour le témoin de retourner à son propre procès. Dans le but d'être jugé coupable en tant que masque de masque. Non. Alors, monsieur l'avocat, l'amour finit quand même par triompher. Je suis l'as des détectives et masque de masque. Mon verdict vous le confirmera. Tout comme celui de plaisir confirmera qu'il est bien le vrai meurtrier. Je le déclare avec toute la verve de mon talent d'as des détectives. Bon, un petit coup. Silence dans la salle, nous avons assez délibéré sur ce témoin. Je n'y crois pas. À ce rythme-là, Henri va... T'abandonnes pas maintenant, Nick. Il reste encore demain. On pourra encore chercher des preuves et... D'ici là, il sera trop tard. Hein ? Pourquoi ? Ne bis in idem. Un des principes de base des tribunaux. Ne bis in idem ? Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction. Pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. C'est un principe classique de la procédure pénale. Et il s'applique aussi bien à ce témoin qu'à n'importe quel autre. Monsieur Moissa sera déclaré coupable dans quelques minutes. Coupable d'être masque de masque. Autrement dit, il sera innocent quant au meurtre de Ken Bullard. Impossible. Le fait que vous n'ayez pas pu prouver la culpabilité de M. Moissa ici même, lui évitera à jamais de comparaître pour le meurtre de Ken Bullard. Maintenant, je ne peux plus gagner. Les dés sont jetés. Même si Henri était déclaré innocent, le véritable tueur, Matt Moissa, quitterait cette salle en homme libre. Lors du contre-machin, vous avez décortiqué chaque affirmation du témoin. Et comme nous en avons fini avec ces témoignages, j'ai bien peur de devoir envoyer ce témoin pour de bon. Avez-vous une objection à formuler ? En ce cas, je mets un terme au contre-interrogatoire de Matt Moissa. Je crois que je le vois. Votre honneur, à l'école, vos bulletins disaient toujours la même chose. Il entend mal et cet handicap est à l'origine de bien des erreurs. Comment savez-vous ? Phoenix, relève la tête. Tu as oublié ce que je te disais toujours. Un avocat sourit, pour le meilleur et pour le pire. Cette voix, c'est pas possible. Ça faisait longtemps, Phoenix. Mia. C'est ça, le vrai pouvoir de la technique de channeling Kura. Je sais que c'est Maya qui se tient devant moi. Et la personne à qui je parle en ce moment est Mia Fey, mon mentor. Bon, on y va. Mais nous ne pouvons rien faire de plus, Mia. Sans un autre témoignage, je ne peux pas procéder au contre-interrogatoire. Encore, ce témoignage n'est pas encore terminé. Que voulez-vous dire ? Votre honneur ? Vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Lors du contre-interrogatoire, vous avez décortiqué chaque affirmation du témoin. Oui, j'ai dit ça, mais... Malheureusement, votre honneur, vous oubliez quelque chose. Tout à l'heure, après le dernier contre-interrogatoire, ce témoin a fait un certain nombre de remarques. Alors, monsieur l'avocat, l'amour finit quand même par triompher. Je suis l'as des détectives et masque de masque, mon verdict vous le confirmera. Tout comme celui de Duplaisir confirmera qu'il est bien le vrai meurtrier. Je le déclare avec toute la verve de mon talent d'as des détectives. Oui, mais ces commentaires n'ont aucune importance. Très bien. Alors, nous allons prouver leur importance par un contre-interrogatoire. De toute façon, puisque le témoin s'est permis de faire ses remarques, la défense est en droit de remettre en question leur fondement. Vous êtes d'accord, monsieur le procureur. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Godot ?
Non, rien du tout. Oh, monsieur l'avocat, vous avez, semble-t-il, un train de retard. Si vous croyez pouvoir me piéger avec ces broutilles, moi, Écoutons-le. Hein? C'est vrai, le témoin a émis des observations. Et donc, écoutons la dernière partie du contre-interrogatoire. Monsieur Coteau, mais qu'est-ce que vous faites? Très bien, mademoiselle. J'autorise la défense à examiner vos remarques. Expliquez à la défense pourquoi vous pensez que l'accusé est coupable. Veuillez compléter votre témoignage en conséquence. Phoenix, mais y voilà, c'est notre toute dernière chance. Oui, chef. Oh, merci, merci pour ce cadeau, chef. C'est vrai, je n'étais pas dans les locaux des Galeries de France. J'ai dû m'absenter pour répondre à une autre requête très importante. Je connaissais déjà la date et j'avais préparé cette photo. Mon sens inné de la déduction me dit que Henri Duplaisir est le vrai coupable. La clé magnétique et le portefeuille confirment sa présence sur les lieux. L'alarme, qui ne s'est déclenchée qu'une fois, m'a renseigné elle aussi. Le bouton ne portait aucune empreinte digitale. Pourquoi ? Si elle avait déclenché l'alarme, la victime en aurait laissé. Donc, c'est le tueur. Monsieur Duplaisir portait son costume de masque, d'où l'absence d'empreinte. Et la lettre de chantage ? La victime a dû confondre la couleur du bijou. Zvari. Et c'est pourquoi l'épreuve incrimine ce pauvre garçon. On dirait que son témoignage tient la route. Les observations du témoin semblent assez spontanées. Tous les points sont expliqués et il n'y a apparemment pas de contradiction. Évidemment. Mais comment étiez-vous au courant pour le bouton d'alarme ? Le dossier d'enquête de la police est passé directement par moi. Je lis toujours tous les documents. C'est élémentaire, monsieur l'avocat. Vous allez continuer à vous débattre longtemps, monsieur l'avocat. Monsieur Wright, je n'autoriserai aucune de vos manigances habituelles. Bien, votre honneur. Nous ne pouvons pas retarder le procès de Matmoissa indéfiniment. C'est votre dernière chance. Une petite seconde. Une seule chance? Ah, la fête commence. Eh bien, Phoenix. Aucune preuve ne vient contredire ce témoignage. C'est exact à première vue. Comment ça à première vue? Écoute, Phoenix. Souligner les contradictions ne signifie pas forcément que tu dois présenter des preuves. Tu comprends? De toute façon, c'est notre dernière chance. Si tu ne parviens pas à trouver une contradiction de choc, tu perds. C'est aussi simple que ça. La 17e et dernière tasse. L'heure est venue de classer cette affaire. J'ai pas compté, mais si ça fait vraiment 17 tasses pile poil dans les animoissies, c'est trop bien. Je dois dénicher une contradiction irréfutable dans son témoignage. Je dois sauvegarder la partie. Et je dois le faire sans présenter de preuves. Autrement dit, tout ce que je peux faire, c'est trouver la contradiction et attaquer. N'oublie pas, tu n'as qu'une seule chance. Allez-y, monsieur Wright. Commencez votre dernier contre-interrogatoire. J'étais pas dans les locaux des Galeries de France. J'ai dû m'absenter pour répondre à une autre requête très importante. Je connaissais déjà la date et j'avais préparé cette photo. Je connaissais déjà la date. Je connaissais déjà la date et j'avais préparé cette photo. Je viendrai sous peu dérober l'objet le plus précieux de votre exposition. Là-dedans, il n'y a pas la date. Et comment il peut connaître la date ? Et la date de quoi ? On sent signer de déduction, la clé magnétique, portefeuille confirme sa présence sur les lieux. On ne portait aucune empreinte digitale.
Moi, je serais tenté de attaquer sur je connaissais déjà la date et j'avais préparé cette photo. Vérifier vu que j'ai droit à une seule chance. Ah, j'aurais eu faux. Donc il faut attaquer. Le costume de masse de masque. C'est vrai, comment est-ce qu'il est au courant du costume de masse de masque? Parce que c'est quelque chose qu'on a appris pendant ce tribunal-là, et pendant le tribunal, il était à côté. Non, c'est vrai. C'est un détail dont Matt Moissa ne pouvait pas être au courant normalement, à moins d'être sur les lieux. J'ai pas tilté sur le coup, mais ça fait totalement sens. C'est très très bien. Monsieur ça, au sujet de cette dernière remarque. Vous n'avez encore rien compris, Light. Il est trop tard pour attaquer le moindre petit bout de déposition. J'ai bien peur que vous ayez manqué un élément essentiel, Monsieur Godot. Quoi? Monsieur Moissa, il semblerait que vous ayez finalement reconnu que vous étiez dans le bureau du PDG la nuit du meurtre. Comment ça? Revoyons votre témoignage. Voulez-vous, Monsieur Moissa? Le bouton ne portait aucune empreinte digitale. Pourquoi? Monsieur Duplaisir portait son costume de masque. Est-ce bien exact? C'est exact. C'est bien ce que j'ai dit. Les déductions sont impeccables. Vos déductions prouvent surtout que vous êtes un bel idiot. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que vous insinuez maintenant? Je ne sais pas pourquoi, mais je commence à avoir une de ces soifs. Quand exactement avons-nous découvert que Henri Duplaisir était habillé en masque la nuit du crime? C'est passé il y a seulement quelques heures. Lorsque ma sixième tasse me regardait d'un air glacial. Hein? Oh, est-ce que j'ai oublié de vous le dire? Je suis désolé. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. C'est exact. L'accusé ne l'avait dit à personne jusqu'à ce matin. Les seules personnes au courant sont donc celles qui ont assisté au procès. Vous voyez où je veux en venir, détective Moissa? Vous n'étiez pas censé être au courant de ce détail. Stylé! Vous étiez à côté, où vous comparaissiez sous l'identité de Masque de Masque. Alors éclairez-nous, comment avez-vous appris cette information? Eh bien... Allons, ce détective devait être au courant. Il a sans doute eu maintes occasions de le savoir avant. Et c'est précisément de ces occasions dont je souhaite parler maintenant. Cette nuit-là, Monsieur Duplaisir portait son costume de Masque de Masque. Il n'y a qu'un moyen et un seul pour que le détective Moissa l'ait su. Un seul? Un seul moyen, dites-vous. Je vous en prie, rappelez-vous le témoignage de Monsieur Duplaisir. Quand je suis entré dans le bureau, il y avait une ombre mystérieuse. Espace d'une seconde, mon client a entrevu le vrai meurtrier. Mais Monsieur Duplaisir ne l'a jamais vu. Impossible de dire si oui ou non le vrai meurtrier était Matt Moissa. Sur cette affirmation que je m'apprête à renverser le cours du procès. Qu'insinuez-vous donc? Monsieur Duplaisir a vu le vrai meurtrier, or, si l'on retourne cette affirmation, il est évident que le meurtrier a également vu Henri Duplaisir. Impossible. Détective Moissa, vous avez vu Masque de Masque sur la scène du crime cette nuit-là? Vous l'avez vu lorsque vous avez assassiné Ken Bullard et agressé Henri Duplaisir. C'est pour ça que vous saviez comment Henri était habillé. C'est quoi ce tremblement de terre encore? Tout va s'effondrer! Regardez bien, tous. Ne trouveront pas de rival digne de mon génie, j'ai dû m'en créer. C'est moi, le clown tragique. Vous avez dit la même chose hier. Mais je trouve que son personnage a aujourd'hui plus de relief.
Cet incident est pour le moins complexe. Ken Muller faisait chanter Matt Moissa, qui lui faisait chanter Henri Duplaisir. Et après avoir tué son maître chanteur, Moissa a essayé de faire inculper Duplaisir. Il s'est ensuite fait passer pour Masque de Masque pour échapper à son vrai crime. Et pour y parvenir, il a élaboré un stratagème. Exploiter le principe Nebis in Idem pour mettre son pied sur pied son alibi. Quoi qu'il en soit, nous avons enfin compris la vérité. Excusez-moi. J'ai bien failli souiller le casier d'un jeune homme entièrement innocent. Le souiller en le traitant de meurtrier. Pourquoi vous ne me répondez pas? Oh, vous êtes là. Ou d'autres. Ah, pour le verdict? Je sais. Vous n'avez commis aucun meurtre. C'est vrai, je suis ravi que vous compreniez, mais... Masque de masque, c'est moi. Hein? Mais grâce au procès d'hier, je suis innocent, non? Comment vous dites déjà? Nebis in idem? Maintenant que vous le dites... J'ai été négligent. Négligent? Qu'en pensez-vous, Mia? Comme l'a dit l'accusé, le principe Nebis in idem est inaliénable. Un accusé ne peut être rejugé pour un crime pour lequel il a déjà été déclaré innocent. Alors, Masque de Masque est vraiment innocent? Ouais, mais le procès la dernière fois, c'était pour l'urne seulement, non? Donc au final, il pourrait y avoir un procès... Parce que vu qu'il y avait un procès Masque de Masque à côté, il pourrait y avoir ce procès-là qui reprend place le lendemain pour les autres... vols en dehors de l'urne. Pour l'instant. On le dirait, oui. Pour l'instant. Nous y sommes. La cour déclare l'accusé... Non. Et coupable. Allez, les confettis, c'est parti, oui. C'est genre bien dans les tasses du café de l'autre, là, voilà. Hop. Punaise, j'ai de la chance. Attendez, c'est pas aussi bien que ça. Parce qu'en fait, Masque de Masque, c'est vraiment moi. Tu as réussi, Nick. Merci, Mia. Ça faisait un sacré bout de temps, pas vrai? Oui. C'est parce que Maya ne m'appelle plus beaucoup depuis quelque temps. Oh. Je plaisante, Phoenix. Ne prends pas tout au pied de la lettre. Mais d'un autre côté, Maya, elle me semble un peu perdue ces derniers temps. Vous voulez parler de son avenir en tant que maîtresse de l'école de Channeling Core? Devenir la maîtresse, ça veut aussi dire faire ses adieux à notre mère. Vous voulez parler de Misty Fay? Veille sur elle. D'accord, Phoenix? Bien sûr. Bon, eh bien, à plus. Mia. Ah, Monsieur Wright. Les mots me manquent. Félicitations, Monsieur Duplaisir. Merci beaucoup. Non, attendez. Plus rien n'a d'importance maintenant, après tout ce qui vient de se passer. Allez, réjouissez-vous, Maya. Vous êtes acquitté du meurtre et vous vous en tirez aussi en tant que Masque de Masque. Peut-être, mais à cause de ça, j'ai tout perdu. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si j'ai volé les informations de chez KB Sécurité, si je suis devenu Masque de Masque, c'était pour une simple et unique raison. Pour elle. Votre femme, Désirée. Elle déteste les criminels plus que tout. Si on y réfléchit, c'est vrai qu'elle a été prise en otage par des voleurs. Elle a toujours répété qu'elle haïssait, c'est lâche, le criminel. Je le savais. Je le savais, mais une fois que j'ai été renvoyé de KB Sécurité et que j'ai perdu tout mon argent, elle n'avait plus aucune raison de rester avec moi. Je me suis dit qu'elle allait sûrement me quitter. Alors c'est pour ça que vous êtes devenu Masque de Masque. Oui, mais maintenant que tout est fini, on ne peut pas recoller ce qui s'est brisé. C'est pas vrai, hein, Nick? Mais non. Vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière? Tout va bien se passer, et Nick peut vous le prouver. Ah, je peux? Ça aurait été sympa de me consulter d'abord. Henri, il y a toujours un moyen de recoller les morceaux. Regardez cette urne, par exemple. Un moyen de recoller les morceaux... J'ai vraiment envie de montrer l'urne. J'ai vraiment envie de montrer l'urne. Hein. Je vais vérifier, mais...
j'ai vraiment envie de montrer l'urne. C'est vraiment l'urne. Trop bien. L'urne sacrée, c'est Daisy qui l'a retrouvée. Désirée, votre femme, elle a toujours cru en vous, Henri. J'avais oublié qu'il y avait ça, c'est vrai. Et pour cette raison, tout ira bien. Ne vous faites aucun souci. Ah, enfin, je t'ai trouvé. Madame du plaisir. Tu as réussi, Rita. Tu es innocent. Je suis tellement heureuse. Merci, c'est très gentil, mais... J'imagine que tu ne veux plus entendre parler de moi. Riton, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne savais pas du tout que tu avais démissionné de KB Sécurité. Et je n'aurais jamais imaginé non plus que tu sois le vrai masque de masque. Madame du plaisir, maintenant que vous connaissez la vérité, qu'allez-vous faire? Vous n'allez quand même pas le quitter. Je crois que c'est évident, non? Comment pourrais-je laisser partir un homme aussi exceptionnel? De toute façon, ma moto va super vite. Si vite qu'il n'aurait aucune chance de se faire la malle. Mais je croyais que vous haïssiez les criminels. Hein? Oh, je ne déteste que ceux qui sont lâches et vicieux. Comme ce détective. Je vois. Moriton a prévenu de ses intentions avant de commettre ses crimes, comme un brave. J'adore les hommes chevaleresques. Chevaleresques? Je savais que j'avais raison à ton sujet. Chaque jour passé à tes côtés n'est que frissons et aventures. Daisy. Comme quoi, l'amour rend vraiment aveugle. Nikki Baby? Oui. Je suis vraiment contente de vous avoir demandé de défendre mon Riton. Merci du fond du cœur. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Oh, eh bien... Prenez soin de vous. Vous aussi, Nikki Baby. Je sens que je rougis. Monsieur Nick, Mystique Maya, toutes mes félicitations. Oh non, c'est pas ce que tu crois, Pearl. Elle n'aurait pas pu tomber à un plus mauvais moment. Monsieur Nick, comment osez-vous? Avec l'épouse de quelqu'un d'autre et devant Mystique Maya. Non, non, c'est pas que tout. Je vous pardonnerai jamais, vous m'entendez jamais. Et comme l'affaire touchait à sa fin, ma conscience commençait enfin à s'apaiser. Henri a dit « On ne peut pas recoller ce qui s'est brisé. » Mais c'est faux. La preuve, regardez. Voici un bel exemple d'objet recollé et encore plus beau que l'original. Oh. Ah, il a gagné de la peinture, hein, en plus des fissures. Hein. Il ne cesse d'évoluer. On va avoir une urne à la fin avec des réacteurs et tout. Oh waouh! Maya qui se cherche un petit boulot sur le côté. Incroyable. Finir serveuse. Eh bien, ma foi! Ça aurait été un gros épisode, mais ça aurait été un gros tribunal. J'espère que cet épisode vous a plu. Plusieurs moments où j'étais assez perdu. Heureusement qu'il y a une soluce de côté si jamais j'en ai besoin. Si bien sûr, j'essaie de ne regarder justement que quand je me sens justement trop perdu, soit parce que j'ai pas de piste, soit parce que j'ai trop de pistes qui sont au même niveau, donc aucune préférence, et que ça me ferait juste faire tout un tas d'allers-retours et perdre du temps pour pas grand-chose. Il y a, c'est vrai que je crois que j'en ai pas parlé dans les deux jeux précédents, mais c'est valable pour toute la franchise. Il y a un aspect très intéressant que je trouve dans ce jeu-là, c'est que c'est la structure en termes de challenge d'un puzzle game contextuel, hein, comme la majorité des jeux d'enquête, mais associé à une volonté de surprise, de plot twist et de drama. Et les deux, du coup, peuvent se retrouver à se choquer. Pour exemple, là, le fait que vous dire que parfois il faut complètement bluffer, au point où notre protagoniste lui-même ne sait pas vraiment s'il a quelque chose de valable à dire derrière, mais il faut quand même le faire pour avancer dans l'histoire. Et parfois, comme ça a été le cas là, il vaut mieux pas. Alors il y a par moments des répliques qui sont balancées par différents personnages et qui permettent de tenter de diriger le joueur dans une direction donnée, que ce soit au niveau du fait d'attaquer, au niveau du fait de montrer une preuve, au niveau du fait de montrer plutôt une personne, au niveau du fait de plutôt ne rien montrer et d'attendre, ça arrive. Et c'est toujours le bienvenu, même quand je suis plutôt sûr de vers où je veux me diriger, voir ces répliques-là, ça me fait me dire, tiens, le jeu essaie d'amener vers un raisonnement et du coup de recadrer le joueur pour arriver
à la même étape de raisonnement que celle qu'a Phoenix, parce que aller trop vite ne sert à rien. Dans le jeu, on est sur une progression plutôt linéaire où il faut aller d'étape en étape pour arriver à la bonne solution, du moins pour ce que j'ai l'impression d'en percevoir à chaque fois. Et parfois, bah, ces répliques-là, peut-être que je les vois pas, ou peut-être qu'elles sont pas là, je ne sais pas. Mais du coup, c'est par moments assez difficile, et je me retrouve souvent dans le flou dans ces moments-là, en tout cas. Donc ouais, je suis content d'avoir une solution côté au besoin, comme ça je la sors. Donc je trouve après le bon moment pour présenter, enfin le bon moment dans la soluce par rapport à la présentation de l'élément que je recherche, sans regarder la suite pour pouvoir continuer de jouer ensuite et puis ensuite de ressortir la soluce au besoin. Toujours le petit traquenard, hein, où on est... J'essaie. C'est pour ça que parfois vous me voyez, enfin vous m'entendez plutôt, sortir les paragraphes les uns après les autres en prenant des choses qu'on a déjà fait, parce que je préfère perdre un petit peu de temps à relire des choses qu'on a déjà fait pour m'assurer d'arriver au bon moment et m'arrêter à ce moment-là plutôt que de regarder plus tard ou d'être divulgaché, hein, dirait certains, sur la suite du procès ou de l'enquête. Mais oui, ça a été une bien belle affaire, dont j'ai déjà chanté les louanges dans les épisodes précédents, ma foi. On verra ce que nous réservent les suivantes. D'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.